Hello tout le monde! Alors, hello, hello tout le monde! Attendez, je suis en train de mettre en place tout ça. Attendez, si vous êtes arrivés, faites-moi un petit coucou. Je vois qu'on est déjà 8. Hello tout le monde! Attendez, on place ça correctement. Ok, j'espère que ça va bien. Alors, hello, hello, salut Estelle! Oh, les îles de la Madeleine, bonjour! Bonjour, j'espère que tu vas bien. Est-ce que vous avez un temps aussi magnifique qu'à Montréal? Parce que ici, écoute, j'ai été faire une belle promenade dans le parc avant de m'installer dans le studio parce que le temps était vraiment fabuleux. Bonjour Joanne, hello! Hello, hello, j'espère que tout le monde va bien. Que vous avez préparé un petit thé. On a un bon cours là pour commencer. Le premier cours est toujours un petit peu celui qui est le plus chargé. Beau mais pas chaud. Bonjour Daniel, hello. Alors je retrouve du monde de mes cours de couverture. Bonjour Elisa, bonjour de Paris. Quel arrondissement Elisa? Quel arrondissement? Parce que voilà, il faut pas le crier trop fort à Montréal, mais je suis parisienne. Voilà, depuis 2006, depuis 14 ans ici. Mais voilà, des racines à Paris. Mais en tout cas, super contente qu'on ait du monde de Paris. Je vois qu'on a du monde qui arrive. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Bonjour de Bretagne. Tu sais que mon frère est pêcheur à l'île Grande. Et mon père habite là-bas. Bonjour Martine. Alors Pascal, tu es d'où de Bretagne? Salut du Saguenay, salut Caroline. 11e arrondissement, Bastille. J'ai eu un appartement à Bastille. Chouette coin. Hello, hello. Donc, ça commence à se remplir. Bonjour tout le monde. Donc, faites-moi un petit coucou. Dites-moi d'où vous venez. Ça va me faire tellement plaisir. On va faire vraiment... un cours qui va être très intéressant et en même temps vraiment abordable pour des débutants, mais vous allez apprendre des nouvelles techniques. Moi, j'adore ce petit pull, vraiment, il est très très chou. Puis ça va me permettre en plus de le finir grâce au cours, donc ça, c'est encore mieux. Alors, bon, est-ce que tout le monde m'entend bien? Je pense, hein? Vous allez voir que j'ai un assistant très particulier. Une Française qui s'implante sur le plateau, coïncidence. Pas de commentaires, Benoît, pas de commentaires, s'il te plaît. Oh, j'espère que vous avez vu l'adorable vidéo que nous a fait Anna. Anna qui est la designer derrière le pull Trescao. Donc voilà, elle nous a fait un petit coucou. J'ai reçu ma laine d'Ereum Natura vendredi. Oh, parfait. Parfait, Joanne. Mais de toute façon, vous allez voir que on va pas commencer le pull tout de suite. Guidel plage, Morbihan. Super. Alors, voilà. J'ai un petit assistant que vous allez souvent voir parce que c'est un vrai petit pot de colle. Voilà. Donc, je vous présente Matcha. Matcha qui aime beaucoup jouer avec tout ce qui se passe par là. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est mon petit assistant. Ok? Tu vas nous laisser tranquille. Hein? Très bien, et l'image est claire. Bonjour Martine. Ok. Bon, ben écoutez, on va commencer. Donc, c'est notre premier cours. Sachez que le cours du 13KO, je le donne deux fois. Donc, je le donne le mercredi matin à 10h10 et je redonne le même cours à le samedi. Donc, si vous voulez vous avancer ou si vous avez pris du retard, c'est très simple. Il suffit de se décaler. Une autre chose, c'est que les vidéos vont rester sur le chat du Facebook. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous ratez un live, ce n'est pas un problème. Vous pouvez tout à fait revoir les vidéos. C'est très pratique aussi pour les techniques. Vous pouvez poser vos questions. N'hésitez pas non plus sur le groupe.
Nous sommes deux à vous répondre et à vous aider. Vous allez voir que je vais vous donner des exercices. On retourne à l'école. N'hésitez pas à poster les photos de vos exercices. C'est un peu comme ça que je corrige mes étudiantes. Donc, ça me fait très plaisir. Et en plus, ça montre un peu aux autres s'ils sont sur la bonne route, etc. Donc, voilà. Voilà, et Ben rajoute que dès cet après-midi, les vidéos seront aussi sur la chaîne YouTube de la Maison Tricotée. Donc, ça va être facile de pouvoir aller les voir et voilà, et de jouer un peu avec. Ok, ben écoutez, on va commencer. On a quand même, comme je vous disais, un cours qui est assez conséquent. C'est le premier. Les autres, vous allez voir, auront un petit peu moins de contenu. Mais au premier, on a déjà pas mal de choses à voir. Donc, je vais commencer. Alors, la première des choses, c'est qu'on ne va pas commencer le pull immédiatement. C'est très important de préparer des bases qui soient solides pour que, quand vous faites votre pull, il va aller parfaitement à vos mesures, il aura la bonne tenue, il sera parfait. Donc, pour ça, nous allons voir plusieurs points sur lesquels j'insiste vraiment. Comme ça, vous serez sûr que votre pull sera parfait. Donc, la première chose, évidemment, eh bien, c'est vos mesures. Alors, peut-être que je vais aller sur des basics que tout le monde connaît, mais je sais que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc, la première chose, c'est comment est-ce que je me mesure pour savoir la taille que je vais faire. Alors, très simple, petit mètre à mesurer. La mesure se fait toujours au milieu de la poitrine, d'accord ? On en sert le mètre à mesurer et c'est ça qui va vous donner la juste mesure. Une fois que vous avez cette mesure-là, le patron du 13KO va vous présenter plusieurs tailles. Alors, c'est important de comprendre que les tailles qui sont annoncées, ce n'est pas les tailles de votre buste. Hein, parce que je sais que dans plusieurs magazines comme Fil d'Art, pour ceux qui sont en France, les tailles qui sont annoncées, c'est par rapport à votre tour de poitrine. Non, attention, dans le 13KO, les tailles qui sont annoncées, ce n'est pas votre tour de poitrine, c'est les tailles du tricot terminé. Donc, par exemple, moi, je fais un 90 cm de tour de poitrine. Donc, je vais faire le pull qui fait 95 cm de tour de poitrine. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va parler d'aisance. Alors, c'est quoi l'aisance? Eh bien, l'aisance, c'est la différence entre votre tour de poitrine et le vêtement. Donc, par exemple, 13KO, Anna nous conseille une aisance de 3 à 10 cm de plus. Donc, c'est-à-dire que moi, je pourrais, avec mon 90 cm de poitrine, faire un 93 à 1 mètre de tour de poitrine pour le pull terminé. Après, si vous avez des hésitations, si vous aimez une aisance plus large, plus courte, etc., le conseil que je donne souvent à mes élèves, c'est de prendre un pull dans leur garde-robe, dans laquelle elles sont extrêmement à l'aise, et de le mesurer tout simplement, d'accord ? Et vous savez que c'est dans cette aisance-là que vous allez être confortable. Donc, c'est celle-là que vous allez choisir. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que dans le groupe Facebook, je dépose des documents. Donc, c'est des documents donc par exemple, le document pour le cours 1, le voilà. Donc, vous avez plusieurs pages avec tout ce que je vais dire en fait à l'intérieur de ce live va être expliqué. Les exercices que je vais vous demander de faire, que je vais vous proposer évidemment de faire, sont aussi répertoriés dans ce document. Donc, n'hésitez pas, vous allez dans le groupe, dans Fichier, vous allez voir, c'est un petit onglet sur la droite et vous pouvez le télécharger. Vraiment, je vous le conseille, ça va vous... Donc, pas besoin de prendre des notes furieusement pendant que je parle, ce n'est pas nécessaire. Tout ce que je dis, je le remets dans mes documents, voilà. Donc, une chose, une fois que vous avez décidé la taille du pull que vous allez faire, alors là, j'ai un super truc, je vous conseille de le faire, c'est que vous prenez un surligneur jaune ou un crayon rouge, qu'importe, et vous allez entourer dans le patron toutes les indications qui concernent votre taille. Donc, vous le faites avant même de commencer à tricoter. L'avantage, c'est quoi ? Eh bien, l'avantage, c'est que quand vous lisez votre patron, vous n'êtes pas en train de faire une erreur parce que vous avez, sans faire exprès, lu un chiffre après ou avant la parenthèse. Et ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. Donc, préparez-vous
aidez-vous, simplifiez-vous la lecture quand vous choisissez votre taille, entourez sur tout le document ce qui vous concerne, d'accord ? Ensuite, le 13KO, c'est un pull qu'on appelle ici « crop ». Donc crop, c'est comme quand on fait des photos et qu'on les crop, c'est-à-dire qu'on les raccourcit. Donc il est assez court, hein, c'est, il descend 20 cm à peu près sous l'emmanchure, 25 avec les bordures. Donc si vous le voulez plus long, ce n'est pas un problème. C'est une construction top-down, donc qui commence par le haut et qui descend. Donc comme c'est une construction du haut vers le bas, vous pourrez tout à fait ajuster à la taille que vous voulez. Vous pourrez même l'essayer au fur et à mesure, d'accord ? Donc ça, c'est un énorme avantage sur les autres constructions typiques du bas vers le haut. Par contre, évidemment, si vous pensez à le rallonger, pensez aussi à rajouter de la laine par rapport à ce qui est demandé à la base, hein. Ensuite, on va parler de la laine, justement. Donc, le 13KO est fait dans, est proposé dans une laine qu'on appelle DK. Alors, DK, ça correspond sur le système de grosseur anglophone. Ça correspond à une laine dont l'échantillon est compris entre 21 à 22 mailles pour 10 cm et qui se tricote avec du 3,5-4 mm. Donc, si vous avez à choisir votre laine, faites très attention. Il faut que cette laine ait la bonne grosseur. Sinon, vous n'allez pas avoir un échantillon valable. Ça va être soit trop gros, soit filet de pêcheur. Donc, choisissez bien la laine qu'il vous faut. Et puis, quand vous avez fait ça, s'il vous plaît, vous allez aussi vérifier que vous avez les quantités suffisantes, d'accord ? Commencez pas un pull avec une pelote qui vous manquerait. Et c'est à ce moment-là que vous arrivez à la fin, que vous vous rendez compte que la laine n'existe plus, que vous appelez la boutique de laine et qu'ils ne l'ont pas, etc., etc. Donc, je commence un projet, j'ai tout le matériel. J'insiste énormément là-dessus. Hein. Nous, à la Maison de Tricoter, ce qu'on vous propose, si vous magasinez en ligne chez nous, nous avons la Davis. Donc, moi, c'est avec celle-là que je vais faire. Donc, c'est une... C'est un très beau 100% mérino non traité qui a été teint par Annie Parenne, une teinturière de Montréal. On a aussi des magnifiques laines de chez Dererum Natura, notamment la Pénélope et la Ulysse. Donc vous pourrez retrouver sans problème toutes ces indications-là. Vous pouvez nous appeler. Aujourd'hui, nous allons être ouverts en boutique de 10h à 16h. Et la bonne nouvelle, c'est que la boutique va réouvrir à partir du lundi 1er juin. Donc, on réouvre entre midi et 17h. Mais n'hésitez pas, appelez-nous, chattez avec nous. On est là, très présent. Bon, allez, on a fini pour le côté un petit peu plus boutique et on va continuer sur notre théorie. Ne vous inquiétez pas, il y aura une partie pratique dans le cours. Donc, vous avez choisi vos mesures, vous savez quelle grandeur de pull vous allez faire, d'accord ? Maintenant, vous ne pouvez pas commencer. Qu'est-ce qu'il vous manque ? Il vous manque l'échantillon. Et alors là, attention, je ne rigole pas avec l'échantillon. Mes élèves, quand ils sont dans ma salle de cours, savent que je suis intransigeante avec ça. Parce que la différence entre quelqu'un qui perd beaucoup d'argent et de temps en tant que tricoteuse et une qui rentabilise toujours et son temps et son argent, eh bien, c'est un tout petit carré qui fait à peu près 10 cm sur 10 cm et qui a pour nom l'échantillon. Et oui. Alors, pourquoi c'est si important ? Eh bien, c'est important parce que la designer, elle a choisi une laine particulière et elle a une tension particulière. Peut-être qu'elle tricote serré, peut-être qu'elle tricote lâche et peut-être qu'elle tricote moyen. Mais une chose est sûre, c'est que vous n'avez peut-être pas la même tension qu'elle. Et peut-être que vous allez tricoter un peu plus serré, que vous allez avoir une maille de moins aux 10 cm. Et vous allez me dire, bah, une maille de moins aux 10 cm, c'est pas si grave. Oui, sauf que vous ne faites pas un pull qui fait 10 cm de circonférence. Par exemple, vous allez faire un pull qui fait 1 mètre ou 90 cm de circonférence. Donc, ce n'est pas une maille de différence, c'est 9. Eh bien, 9 mailles de différence, c'est une à deux tailles supplémentaires ou plus petit ou plus grand. Et puis, c'est là aussi que vous allez pouvoir manquer de laine ou en avoir trop. Mais le pire du pire, c'est surtout de faire un pull qui ne vous correspond pas, d'avoir passé 40 heures peut-être dessus, et de devoir ensuite choisir parmi vos amis qui va hériter de ce très 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 beau cadeau. Mais oui, donc on ne rigole pas là-dessus, s'il vous plaît, on fait un échantillon. Maintenant, l'échantillon,
il a des règles. C'est un petit peu les tables de la loi. C'est très important. Alors, quelles sont ces règles qui doivent être marquées, marquées vraiment de manière très importante? La première règle, déjà, c'est que quand on tricote en rond, eh bien, on fait un échantillon en rond. Alors là, je vais vous montrer un super tour de magie. Comment est-ce qu'on fait un échantillon qui est rond en carré? Et oui, j'adore ce tour de passe-passe. Vous allez voir, il est très peu connu. Mais mon Dieu, que vous allez m'aimer aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer ça. Hop, comment je fais un petit échantillon en rond carré. Alors, on va faire pour les besoins de la cause. Je ne vais pas monter beaucoup de mailles. Dans votre cas, un échantillon, une autre des règles, ce n'est pas un timbre-poste. Et non, je ne monte pas 5 mailles, je ne fais pas 10 rangs et je ne m'en suis pas débarrassée aussi rapidement. Un échantillon, vous allez monter 30 mailles et vous allez faire au moins 10 cm. Pourquoi? Eh bien parce que vous ne connaissez pas encore cette laine. Et puis, vous ne connaissez pas encore comment la travailler. Donc, imaginez, vous venez de rencontrer un cheval et vous allez faire en fait un tour de promenade avec pour comprendre comment le guider, comment être le plus fluide avec. Donc, la tension, c'est un peu comme les rênes. Et pour trouver cette tension-là, en fait, il va vous falloir plusieurs rangs. Souvent, moi, je vois dans les échantillons que font mes élèves, ça commence serré, puis ensuite, ouf, ça s'élargit. Donc, on peut bien comprendre, dans ces cas-là, que votre échantillon, quand il est tout petit, ben, on n'a aucun repère là-dessus. Hein, il faut qu'il soit assez grand. Donc, on monte 30 mailles et on fait 10 cm. C'est vraiment important. Allez, je vais vous montrer la magie du tricot en rond carré, emprunté directement à la technique de Lycord. Alors, on va switcher les caméras et hop, directement sur mes petites mains. Voilà. Alors, on est là. On va monter, donc, dans votre cas, vous montez 30 mailles, mais... évidemment, je ne vais pas juste vous régaler de mes mains qui tricotent. Vous allez faire un premier rang tout à l'endroit. Ça va être important d'avoir des aiguilles qui soient ou double pointe ou circulaire. Pourquoi? Eh bien, vous allez voir la magie, c'est parce qu'on va swinguer les mailles. Alors, comment les mailles, elles swingent? Regardez bien, j'ai fini mon rang à l'endroit. Si j'étais en circulaire, qu'est-ce qui se passerait? Hop, attendez, si j'étais en circulaire, ce qui se passerait, oups, c'est que je recommencerais sur l'endroit de mon travail. En fait, j'aurais terminé ici et ça serait relié là. Bon, eh bien, c'est très simple, on va swinguer les mailles. J'ai fini mon rang, mon fil est là. Je vais simplement, comme une machine à écrire de l'ancien temps, je vais ramener mes mailles, hop, en début d'aiguille. Alors, regardez. Mon fil est ici, je vais l'amener, alors il va devoir faire un petit bout de chemin, je ne vais pas trop serrer, je vais le faire un peu clocher, et je vais simplement retricoter la première maille. Donc je suis de nouveau sur l'endroit de mon travail. Alors à chaque rang, le fil va voyager derrière le travail, d'accord? Mais ça va me permettre de tricoter toujours sur l'endroit de mon travail, parce que quand je tricote en circulaire, je tricote toujours sur l'endroit. Donc regardez, j'ai terminé mon deuxième rang, donc on peut bien voir là, on a les deux rangs qui sont ici, mon fil est là, je swing, donc je vais juste transvaser mes mailles sur l'autre côté, mon fil qui est là, hein, vous voyez déjà le premier rang ça a voyagé, mon fil va voyager sur l'arrière et je vais reprendre la première maille. Et je suis encore sur l'endroit du travail. Donc, on se rappelle, quand on tricote en rond, on est toujours sur l'endroit du travail. Et quand on tricote en jersey, ce qui est le cas du pull 13KO, je tricote toujours des mailles en droit. Ça, c'est le côté super, quelque part, du tricot circulaire. On ne fait que des mailles en droit sur le jersey. Donc, voilà, j'en suis à mon troisième rang. Je ne vais pas faire le quatrième, mais juste, je vais vous remontrer. Je suis ici. Voilà. Et je vais swinguer mes mailles de l'autre côté, faire voyager mon fil sur l'arrière. Et on est parti. On retricote un rang. Alors, si vous avez des questions, s'il vous plaît, dans les commentaires, faites-moi des petits coucous ou simplement dites-moi « Ok, j'ai compris, c'est clair ».
Donc, vous me faites un bel échantillon, 30 mailles, au moins 10 cm. Et puis, hop, on va re-switcher, voilà. Donc, vous me faites un bel échantillon, 30 mailles, au moins 10 cm. Et quand c'est fini, eh ben, c'est pas fini. Eh oui, parce que votre échantillon n'a aucune valeur actuellement. Qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque de prendre un bain. Et oui, il a besoin d'être lavé et séché pour vous donner sa vraie mesure. Parce que la laine, quand elle est encore en pelote, qu'elle n'a pas été lavée, quand elle n'a pas été encore lavée, elle ne s'est pas, elle n'a pas eu ce qu'on appelle le bloom, elle ne s'est pas épanouie, d'accord? Donc elle va au contact de l'eau la première fois qu'elle va être lavée, elle va, dans beaucoup de cas, hein, elle va s'étirer, elle va s'élargir. Donc si vous pensez que votre échantillon à sec est bon, eh bien après le premier bain, dans l'eau, eh bien, vous allez avoir des sacrées surprises. La première fois que vous allez laver votre pull, il ne va plus être aux bonnes mesures. Donc, c'est très important. Votre échantillon n'est valable que lavé et séché. Laurence, j'ai essayé de faire des échantillons vraiment en rond et je trouvais ça bien étroit. Et oui, faire des échantillons qui sont des petits tubes pour pouvoir les mesurer, c'est l'enfer. Alors, je vais vous montrer un échantillon terminé. Voilà. Je vais juste re-switcher. Voilà. Alors, regardez bien. Ça, c'est mon échantillon qui est terminé. On dirait une carpette de hamster. Et oui, parce que j'ai coupé les fils sur l'envers pour pouvoir le faire sécher bien à plat. Il a été lavé, il est séché. J'ai une parfaite idée d'à quoi il va ressembler. Ça va me permettre de prendre des mesures qui vont être facilement prenables. Je ne sais pas si on peut dire ça, d'accord? Donc ça doit être votre échantillon. Il doit ressembler à une carpette à hamster. Alors évidemment, nous n'allons pas pouvoir réutiliser la laine, d'accord? Mais entre perdre quelques grammes de laine et avoir un pull qui sera à vos mesures, et puis perdre tout un pull, je vous promets que c'est une perte qui en vaut tout à fait le coup, d'accord? Voilà, donc petite carpette à hamster, ça va être votre premier exercice extrêmement important. Je monte mes 30 mailles, je fais mon échantillon en rond, je coupe les fils, je le lave, je le laisse assécher. On coupe avant ou après le bain, on va couper avant. D'accord? Parce que de toute façon, il va falloir que tu puisses bien le placer. On ne l'étire pas, hein, on le laisse sécher à plat, tranquillement, comme si c'était un pull. Ensuite, comment est-ce que je vais prendre mes mesures à l'intérieur? Ça, c'est pareil, hein, on ne mesure pas le carré en tant que tel. Quand on mesure l'échantillon, on mesure toujours à l'intérieur. La vraie mesure, la vraie tension, elle est dans ce petit carré-là. Parce que vos bordures sont souvent très étroites ou très inégales, votre rang de montage et votre rang de rabattage, très souvent, vont être soit trop lâches, soit trop serrés, et donc ça a froncé. Donc, toute cette partie-là, quelque part, elle n'est pas bonne. Et puis, toute cette partie-là, c'est pareil, elle est influencée par votre montage ou votre rabattage. Donc, la seule chose qui est importante dans l'échantillon, c'est vraiment le cœur. Donc, vous pouvez voir dans le document, notamment, voilà, je vous ai... Oups! Je m'adapte, voilà. Dans le document, voilà, je vous montre, vous pouvez tout à fait mettre deux petites épingles et vous allez mesurer entre les deux épingles le nombre de mailles que vous avez, sachant que chaque petit V, hein, chaque petit chevron représente une maille, d'accord? Donc ça va être pour notre échantillon. Voilà, ok. Maintenant, on va partir sur les techniques que nous allons rencontrer dès l'encolure. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Anna a décidé de faire une très belle encolure et elle a décidé de la façonner avec des rangs raccourcis. Alors, Laurence, est-ce que les fils qui ne sont pas 100% laine étirent également après lavage? Alors, ça dépend complètement de la composition et de la manière dont ils ont été filés. Le coton, par exemple, aura une tendance à rétrécir. Toutes les fibres de type
un petit peu bidouillés chimiquement, c'est-à-dire le lyocell, la rayonne, les fibres à base de soja, de maïs, et oui, on a fait tout ça dans le monde de la fibre, eh bien, ces fibres-là ont tendance à terriblement s'étirer dans la largeur. Le bambou, notamment, est terrible à ce niveau-là, c'est un vrai chewing-gum. Il s'étire dans la largeur comme c'est pas permis, d'accord ? C'est agréable et doux à porter, mais il va vraiment, vraiment s'étirer. Vous allez apprendre beaucoup de choses avec l'échantillon. L'échantillon, c'est un peu votre boussole, c'est une carte, c'est le guide du routard pour votre travail, d'accord ? Pour votre pull. C'est très important, vraiment. Bon, alors, comme je vous disais, on va rentrer un petit peu dans les techniques. Anna a fait une encolure qui est faite à base de rangs raccourcis. Alors, ces rangs raccourcis-là, elle a décidé de partir sur la technique en anglais qui s'appelle le German Short Row. En français, on va l'appeler le rang raccourci à l'allemande. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un rang raccourci ? Eh bien, c'est très simple. Un rang raccourci, il veut dire ce qu'il veut dire. Je ne vais pas aller jusqu'au bout de mon rang, je vais m'arrêter avant. Donc, je vais tricoter plus sur une certaine partie et moins sur l'autre. Donc, en fait, comme je tricote plus sur le dos, ce qui va être le cas, et moins sur l'encolure, eh bien, ça va creuser l'encolure pendant que le dos va se former. Je vais vous le montrer notamment sur mon petit... moi, je l'ai commencé. Oui, pour l'instant, ça ne se voit pas des masses encore. Mais bon, non, ça ne se voit pas, ça ne va pas vous aider. Je ne vous montrerai pas là-dessus. Vous allez devoir me faire une confiance aveugle et y aller avec la foi. Donc, je vous ai préparé évidemment un exercice que vous allez retrouver dans le document, mais je vais vous montrer la technique aujourd'hui. Et puis, voilà ce que vous allez avoir à la fin de votre exercice. Ça doit vous donner cette espèce de petit berceau quelque part. Alors, on va switcher les caméras et je vais vous montrer comment on fait des rangs raccourcis à l'allemande. Vous allez voir, c'est très facile. Hop, je switch, switch. Switch, parfait, ok. Donc, hop, je vais prendre mes grosses aiguilles et ma laine et on est parti. Alors, voilà, donc on va imaginer que j'ai toutes mes mailles et dans l'exercice, on va vous dire, ben, écoutez, vous allez tricoter jusqu'à, là dans ce cas, on va dire jusqu'à 2 mailles avant la fin du rang. Donc, je vais tricoter, je suis à l'endroit, d'accord. Je vais tricoter allègrement jusqu'à 2 mailles avant la fin. Je ne sais pas si mes doigts expriment toute cette allégresse, mais on va dire que je tricote allègrement. Voilà. Donc, je suis arrivée 2 mailles avant la fin. Je ne vais pas finir mon rang puisque c'est un rang raccourci. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais tourner mon travail. Je me retrouve sur l'envers du travail. Alors, très important dans un rang raccourci à l'allemande, le fil est placé devant. Je vais glisser ma maille comme pour la tricoter à l'envers. Voilà. Et là, je vais faire le rang raccourci. Donc, c'est comme un joint. Donc, je suis là. Et là, regardez, on va gouéguer la maille. Alors, qu'est-ce que ça veut dire gouéguer ? Ceux qui sont de Bretagne, vous me comprenez, n'est-ce pas, hein, Gaël ? Donc, je vais prendre le fil qui est là et je vais tirer vers le haut. Alors, regardez bien. Là, j'ai une maille. On est parti pour le tour de magie. Hop ! Et là, j'en ai 2. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est passé que la maille du dessous, celle-ci, hein, la maille qui est sous celle-ci, celle-là, eh bien, en tirant le fil, elle se retrouve, hop, à chevaucher mon aiguille. Et elle me fait 2 mailles. Voilà. Je ramène mon fil devant parce que je vais tricoter à l'envers. Mais on voit bien que j'ai dédoublé ma maille. Et je vais tricoter à l'envers jusqu'à 2 mailles avant la fin. Je vous expliquerai après pourquoi on a besoin de faire des joints. Voilà, donc je suis arrivée 2 mailles avant la fin de mon rang envers. C'est un rang raccourci. Qu'est-ce que je fais ? Je tourne. On se rappelle, première chose à faire, je place mon fil devant. Je glisse ma première maille comme pour la tricoter à l'envers. Et là, même principe, je vais tirer mon fil, voilà, pour dédoubler ma maille. Alors, sur l'endroit, vous allez voir, c'est un petit peu plus dur, mais ça la dédouble quand même. Le fil est déjà placé en arrière et je fais mon rang à l'endroit. Voilà, je vais me rendre jusqu'à 2 mailles avant, allez, 1 maille, avant le dernier
rend raccourci. Donc on peut voir facilement, hein, puisque c'est cette espèce de maille hybride, elle est là. Donc je me rends jusqu'à une maille avant. Je raccourcis le rang, je vais me retourner. Je suis maintenant sur le rang envers. J'ai le fil devant. Je vais glisser ma maille. Et on va tirer vers le haut de manière à ce que la maille se dédouble. Je ramène mon fil devant parce que je suis en maille envers et je tricote jusqu'à une maille avant le dernier rang raccourci. Il est déjà là. D'accord ? Et je tourne. Voilà. Je vais m'arrêter là. Maintenant, je vais faire ce qu'on appelle, je vais résoudre mon rang. Je vais faire un rang droit complet, un rang envers complet et je vais résoudre mes joints. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ces joints? Pourquoi est-ce qu'on fait ces espèces de mailles bizarroïdes? C'est très simple, c'est parce que comme vous n'allez pas jusqu'au bout du rang, au moment où vous allez retricoter tout un rang au complet, vous allez avoir comme des marches d'escalier puisque les rangs sont incomplets. Et ça va faire des trous. Ces joints-là sont nécessaires pour éviter de faire des trous. Ils relient en fait, ils collent le rang d'en dessous et le rang d'au-dessus. Voilà, donc je suis sur l'endroit puisque je me suis retournée. Je vais d'abord faire un German Short Throw. Je vais faire un, c'est important, hein, je vais faire un joint, sinon ça va, au prochain rang, il va y avoir un problème. Voilà. Là, je suis devant un rang raccourci à résoudre. Alors, c'est très simple. Vous voyez les deux petites pattes? Eh bien, je vais les tricoter ensemble. Donc, c'est vraiment simple. Je tricote ensemble à l'endroit. OK, hop, je l'identifie tout de suite. Encore une espèce de maille hybride. Je prends les deux pattes. Hein, donc, je vous remontre. Hein, on le voit bien que c'est une maille un peu hybride. Je prends les deux pattes. Je les tricote ensemble. Voilà, je vais jusqu'au bout du rang. Et maintenant, je vais faire un rang envers pour résoudre les rangs raccourcis à l'allemande qui étaient faits du côté envers. OK, donc on va bientôt le voir apparaître. Voilà, OK. Donc on voit bien, encore une fois, une espèce de maille bizarroïde. Tout simplement, je prends les deux brins. Et je vais les tricoter ensemble à l'envers. Voilà. Encore un. Et je tricote les deux brins ensemble à l'envers. Donc, comme vous voyez, on n'a pas de grosses difficultés ici. Et puis, si je regarde... Oups! Si je regarde maintenant mon morceau, eh bien, vous pouvez voir que je n'ai aucun trou. Voilà. On peut voir que ça s'est légèrement incurvé et je n'ai absolument aucun trou. Vous voyez que cette partie centrale, j'ai plus de rang et que les parties sur les côtés, voilà, j'en ai moins. Donc, ça nous permet de faire des très beaux rangs raccourcis sans avoir du tout de trou. Donc, c'est simple, hein. Je tourne, le fil toujours devant, je glisse ma maille comme pour la tricoter à l'envers et je tire vers le haut. Donc, que ça soit sur l'endroit ou sur l'envers. Voilà. Faites-moi un petit feedback. Est-ce que ça a été clair pour vous? Sinon, ne vous inquiétez pas. Hein, je ne vais pas faire de mystère. Le rang raccourci à l'allemande, je ne l'ai pas créé. Je suis sûre que s'il y a un petit problème, vous pouvez voir un petit tuto sur YouTube. N'hésitez pas aussi dans le groupe. Quand il y a une technique qui vous semble un peu obscure, qui a été, qui vous demande plus d'approfondissement, vous me le dites et moi, je tourne une petite vidéo qui va vraiment n'être que sur cette technique-là. Donc, n'hésitez pas s'il y a eu des mystères, d'accord? Donc, je vais vous remontrer... Oups, il est passé où? Voilà. Je vais vous remontrer à quoi doit ressembler votre échantillon. Voilà, il n'y a pas de trou. Il n'y a pas du tout de trou et ça va vous donner cette forme incurvée. Voilà. Donc, si ça, l'exercice se passe bien, je vous promets que à l'intérieur du pull, ça va être extrêmement facile. Donc, c'est vraiment pour ça. Moi, j'insiste pour que les exercices soient toujours faits avant qu'on rentre dans le pull en lui-même parce que dans ces cas-là, eh bien, ça sera beaucoup plus facile. Hein. On préfère faire des erreurs sur 20 mailles que de les faire sur 140 ou 200. Je vous le promets. Bon, merci Daniel. Bon, hello. Bon, écoutez, je suis contente que c'était clair.
De toute façon, s'il y a le moindre problème, évidemment, vous allez me revenir là-dessus, d'accord? Et donc, vous allez voir que sur votre document, vous avez un exercice à faire, voilà. Vous allez avoir des mailles à monter et tout sera ici. Donc, quand vous voyez GSR, GSR, ça veut dire German Short Row, c'est donc le rang raccourci à l'allemande. C'est le petit joint dont je vous ai parlé avec le fil devant, voilà. Le dernier exercice, et oui, je ne vous laisserai pas en paix avant qu'on commence. Le pull du 13 carreaux, ses emmanchures sont créées avec des augmentations et c'est des augmentations particulières. Elle a décidé de faire des jetés. Donc les jetés, ça fait des petits trous. Et si on les place bien, on a un très bel effet de dentelle. Donc vous l'avez sans doute vu, je vais vous le remontrer là, voilà, oups, attendez, je vais switcher les caméras, ça va être plus simple, voilà, donc ça nous fait un très bel effet de dentelle, voilà, donc une emmanchure en raglan, c'est une emmanchure en diagonale, et donc toutes les emmanchures comme ça sont apparentes avec ces petites trousses qui lui donnent son petit air printanier. Voilà. Mais évidemment, ces trous-là, il faut savoir les faire et savoir bien les placer. Donc, ça va être nos jetés. Et c'est ça que je vais vous expliquer. Vous allez avoir un exercice à faire qui va donner ça au final. Donc, on peut voir que vous avez deux mailles toujours au milieu. Et de chaque côté des deux mailles, eh bien, vous allez avoir ces petits jours, hein, qui se forment. Voilà, donc ça c'est votre deuxième exercice, en fait votre troisième avec l'échantillon, qui va y avoir à faire. Alors, je vais vous montrer deux types de jetés. Nous allons voir les jetés, attendez, on va se revoir la face, voilà. Donc, nous allons avoir deux types de jetés. Nous allons avoir les jetés qui se font face à une maille à l'endroit et les jetés qui se font face à une maille à l'envers. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi avec des mailles à l'envers alors que nous allons tricoter en rond en jersey? Eh bien, dans la partie de l'encolure où nous allons avoir les rangs raccourcis à l'allemande, nous allons travailler sur l'envers du tricot et il va y avoir des jetés. Donc, c'est pour ça que j'insiste pour qu'on fasse des jetés sur l'envers et sur l'endroit. Allez, je vous montre ça. Dans mon exercice, je vous ai fait monter 26 mailles. Je vous fais faire un rang où je vous fais placer 8 anneaux repères. Alors, comme vous pouvez voir, voilà, je les ai placés. Ces 8 anneaux repères sont placés de chaque côté de deux mailles, hein, qui sont les deux mailles où on va avoir les jetés de chaque côté. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a 4 parties qui sont découpées? C'est simple, c'est que votre pull, il est découpé en 4 parties. Il y a 2 manches, il y a un dos et il y a un devant. Donc, dans le pull, donc voilà, là je peux vous le montrer aussi comme ça. Oups, les mailles qui se carapatent. Venez là les copines. Ok, voilà. Donc, par exemple, vous voyez là, j'ai une manche. Là, j'ai le dos. Je le sais parce que j'ai un petit anneau repère. Voilà, là j'ai une autre manche. Hein. Il y en a toujours 2 dans un pull, c'est super pratique. Et là, j'ai mon devant. Voilà, donc le pull est découpé en 4 parties. On y va. Donc, dans mon exercice, je vous demande de commencer. On va tricoter jusqu'à l'anneau repère. Voilà. Et on va faire un jeté face à une maille endroit. Alors, jeté face à une maille endroit, c'est les plus faciles. Attention, on met le fil devant comme si on allait tricoter à l'envers. Et ça y est, le jeté va se faire. Alors, un jeté, c'est quoi en fait? C'est une nouvelle maille parce que le fil passe par-dessus l'aiguille. En anglais, j'aime bien le terme parce qu'il s'appelle « yarn over ». « Yarn over », ce qui veut dire « fil par-dessus l'aiguille ». Donc, si je place le fil devant, alors que je vais tricoter une maille à l'endroit, eh bien, le fil va obligatoirement passer par-dessus l'aiguille. Alors, un truc super important, mon anneau repère, il doit être devant mon jeté. Hein, il ne faut pas que le jeté déborde et aille ici. Il reste toujours à l'extérieur de mon anneau repère. Voilà, j'ai glissé mon anneau repère, mon fil est devant. Et là, je vais simplement tricoter mes deux mailles à l'endroit. Donc, comme c'est des mailles à l'endroit, le fil, comme vous voyez, est passé par-dessus. Et voilà, je tricote mes deux mailles à l'endroit. Voilà, hein, on voit bien mon jeté
qui est ici, ce qui fait une petite maille en diagonale. Je glisse mon anneau repère et je vais replacer mon fil devant, hein, puisqu'il y a un jeté à chaque fois à droite et à gauche des anneaux repères. Toujours très important, il doit toujours n'y avoir que deux mailles entre les anneaux repères. Si vous vous retrouvez avec plus de mailles, c'est qu'il y a eu un problème. Vous avez un jeté qui a dépassé la frontière. Voilà. Allez, je tricote jusqu'au prochain anneau repère. On aura toujours les augmentations à droite et à gauche des anneaux repères. On est là. Voilà. Donc, à nouveau, je place mon fil devant. Je glisse mon anneau repère. Je fais attention que mon jeté reste bien derrière l'anneau repère. Je tricote ma maille. Hein? Si vous n'avez pas l'habitude, vérifiez toujours. Voilà, hop, je glisse mon anneau repère et je repasse mon fil devant. Voilà, donc les deux premiers groupes d'anneaux repères sont avec des jetés face à des mailles en droit. Je vais finir mon rang. Et je vais simplement glisser les deux autres sets d'anneaux repères. Donc, je les glisse parce que eux, leurs jetés, je vais les faire sur l'envers. Voilà, on glisse. Hop là. Je glisse. Et voilà. Alors, ce set-là... Ces deux petits sets-là, je vais les faire sur l'envers. Donc, je suis sur l'envers du travail. Ok. Je suis là. Alors, évidemment, si je laisse mon fil devant et que je tricote une maille à l'envers, il ne va rien se passer. Mon fil ne sera pas passé par-dessus l'aiguille. Donc, comment je vais faire? C'est simple. Il est là. Il faut qu'il passe par-dessus l'aiguille. Eh bien, il va faire le tour. Voilà. Il est passé over the needle. D'accord? Hop. Je vais faire du franglish en tricot. On y va. Je glisse. Et maintenant, je vais faire l'autre jeté. Donc, mon fil est là. Et il fait le tour de mon aiguille. Attendez, je vais essayer de le faire bien pour la caméra. Il fait le tour de l'aiguille. Et voilà. Allez, on va recommencer sur le deuxième set d'anneaux repères. Donc, je suis là. Et je fais le tour de mon aiguille, je glisse mon anneau repère, je fais mes deux mailles, je glisse et c'est reparti. Oups, je refais le tour de mon aiguille. D'accord, vous voyez, c'est très simple. Et je vais finir mon rang. Alors, ça va être intéressant, on va voir les jetés du rang précédent. Alors, ils doivent se présenter, vous voyez cette grande enjambée quelque part de mon fil, c'est normal, je veux faire un trou, donc je vais le tricoter, et c'est lui qui va me faire ce magnifique trou. Je glisse mon anneau repère, je tricote les deux mailles qui sont à l'intérieur. Hein, les anneaux repères, c'est un petit peu le pain du sandwich, hein, il reste toujours que deux mailles. Imaginez tranche de jambon, tranche de cheddar, il y a toujours juste deux mailles à l'intérieur. Hop, encore une fois mon jeté. Et je vais vous montrer sur le rang d'après. On a des beaux trous. Voilà, hop, encore mon jeté, hein, très facilement identifiable. Et puis lisez votre tricot parce que si vous avez oublié un jeté, vous allez le voir. Qu'est-ce qui se passe si j'ai oublié un jeté? Oups, j'ai oublié de faire un jeté. Eh bien, c'est pas grave. Vous pouvez tout à fait relever un fil intercalaire entre deux mailles. Vous voyez, par exemple, le petit fil qui est là, je le relève et puis ni vu ni connu, je le tricote. Voilà, j'ai rien oublié, madame, je vous le promets. Hein, donc, c'est pas grave, vous avez oublié un jeté. Hop là, vous pouvez le rattraper. Alors, Martine, si on fait en sens inverse le yarn over, ça fait quoi? Alors, tu auras quand même, Martine, un jeté, mais il va être beaucoup plus serré. Donc, si tu le fais dans le sens inverse, le problème que tu vas avoir, c'est que tu risques d'avoir pas un beau jour, ce qui est le but, mais tu vas avoir quelque chose de beaucoup plus serré. Donc, c'est vraiment important qu'il soit dans le bon sens. Hein. Il va se présenter de manière à ce que... Attends, je vais juste switcher
Voilà. Donc, Martine, c'est vraiment une très bonne question. C'est important, en fait, que quand vous allez le tricoter, les fils soient bien parallèles et non pas, ne se croisent pas, et que ça vous fasse un gros trou. Si vous êtes en train de devoir rentrer, que ça soit un petit peu difficile de rentrer à l'intérieur, hein, si la maille est un peu torse, comme on dit, elle est un peu twistée, c'est que vous n'avez pas fait votre jeté dans le bon sens, d'accord? Donc, je vais juste vous montrer à quoi ça doit ressembler. Là, mon fil est très gros, donc voilà. Mais vous voyez mes trous là? Voilà, j'ai des très beaux trous. Donc ça, c'est sur l'endroit. Voilà, sur l'envers. Ils ne sont pas tricotés encore par-dessus. Mais voilà, c'est vraiment important qu'ils soient faits dans le même sens. Enfin, dans le bon sens. Et surtout, c'est très, très important, je ne pourrais qu'insister là-dessus, qu'il ne reste toujours que deux mailles entre les anneaux repères, puisque je vais vous remontrer. Hein, hop, hop, hop. Moi, j'ai enlevé les anneaux repères parce qu'au bout d'un moment, je trouve qu'on voit très, très bien où placer ces jetés. Voilà. Moi, j'identifie mes deux mailles et après, j'enlève les anneaux repères qui me tannent et je fais simplement mes jetés de chaque côté. Donc, regardez, c'est important que ici, vous n'ayez que deux mailles au centre et les jetés qui se baladent de chaque côté. Comme je vous disais, moi, au bout d'un moment, quand j'ai un peu de tricot, que la colonne vertébrale se dessine correctement, eh bien, j'identifie parfaitement mes deux mailles ici, puis je fais mes jetés de chaque côté. D'accord? Donc, voilà. Hop, on va re-switcher. Switchons, switchons. Voilà, les amis. OK. Donc, si c'était clair pour vous, vous avez donc ces trois exercices à faire avant le prochain cours, avant qu'on commence vraiment dans le vif du sujet, pour être sûr que vous maîtrisez les techniques pour pouvoir parfaitement réaliser la première encolure. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui. Ce que je vous conseille, c'est vraiment, 1, prenez votre mesure. 2, décidez quelle taille vous allez faire entourée en rouge sur le patron, ce qui va vous concerner. Ensuite, je fais l'échantillon, première chose, et j'adapte mes aiguilles. Mon échantillon, mes mailles sont trop larges. Au lieu d'avoir 21 mailles, j'en ai 18 par exemple. Bon, mes mailles sont trop grosses. Je baisse, je prends des aiguilles plus petites. Si au contraire, j'ai 24 mailles au lieu de 21 mailles, c'est que mes mailles sont tellement petites que j'ai réussi à en mettre 24 sur 10 cm et non pas 21. Je prends des aiguilles plus grosses. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à parler avec moi sur le fil du groupe. Et je vous aiderai à changer vos aiguilles, hein. Parce que souvent, c'est vrai, quand on n'a pas encore beaucoup d'aiguilles, qu'on a commencé, on se jette sur les aiguilles qui sont proposées dans le patron. Et puis, ben en fait, ce n'était pas celle-là, il faut en racheter d'autres. Ce n'est pas grave, si vous ne les aviez pas, ça fait partie des aiguilles à avoir, hein, du 4 mm, du 3,5, c'est les basiques. Mais moi, vous voyez, par exemple, je suis une tension souple, je vais faire mon pull en 3,5 et non pas en 4. Donc, vraiment très, très important, hein. Ensuite, quel type d'aiguille vous allez avoir besoin? Bon, mais on commence quand même par une encolure qui est assez petite. Donc, on va commencer avec un 16 pouces. Puis, ça va s'agrandir. Donc, on va passer sur un 24 pouces au niveau des circulaires. Puis ensuite, selon la largeur de votre poitrine, ben, peut-être que vous allez être plus à l'aise sur du 32 pouces. Donc, vous allez voir, on a besoin de différents types d'aiguilles. N'hésitez pas à nous appeler. Mais d'abord, faites un échantillon. D'accord? Ça va être important. Si vous vous dites que ça en fait beaucoup des aiguilles, je suis bien d'accord avec vous. C'est tout l'avantage des kits d'aiguilles interchangeables où vous avez les pointes et puis vous avez les câbles et vous avez juste à changer. C'est un investissement au début, mais promis, vous allez vite le trouver très pratique. Donc, les amis, c'est ça. Faites-moi les trois exercices. Voyez un peu comment vous gérez les techniques. Faites les échantillons. Et nous, on va se revoir la semaine prochaine. Si tout s'est bien passé, pourquoi pas me rejoindre mercredi à 10h10 et on commence le pull en tant que tel. Ou on se rejoint, on est quel jour? Dimanche prochain. Dimanche prochain aussi à 10h10. Donc, faites-moi un petit coucou. Dites-moi si tout a été clair. Et il va me rester à vous souhaiter un très très beau week-end avec cette lumière. En tout cas, nous, on a une température idéale.
on a une lumière idéale. D'accord? Donc faites-moi un petit coucou, dites-moi si c'était correct pour tout le monde et on se revoit. Alors, super cours, cours avec, ok. Merci Martine, merci beaucoup. Tu vas voir, c'est qu'un début. Et puis, on a eu tellement de plaisir à faire les cours en ligne. Toute l'équipe est derrière, hein. Vous me voyez là. Mais il y a Ben derrière, il y a Ophé, il y a Amy, il y a Kat qui répond, qui sont là. Donc, je vous dis, on a toute une équipe géniale derrière qui est là. Pour la grosseur de laine, est-ce que deux fils de fingering tricotés ensemble conviendraient, Elisa? Oui, ça pourrait convenir. Ça va dépendre un peu de ta grosseur de fingering. Donc, c'est là où l'échantillon va tout apprendre. Mais oui, pourquoi pas, essaye. Ça pourrait. Ça dépend vraiment de la grosseur. Si c'est un 320 mètres au 100 grammes, si c'est un 400 mètres au 100 grammes. Bon, merci tout le monde. Merci. Et si vous avez d'autres questions, vraiment, posez-les dans le groupe. Pour moi, c'est pas clair, mais je vais essayer. D'accord? Alors, la vidéo va être déposée sur YouTube, il n'y a pas de problème. Merci Louise. Donc, n'hésitez pas, revoyez la, Daniel aussi, hein, retournez sur la vidéo, allez-y exercice après exercice, suivez vraiment les vidéos restent en ligne. Oui, les vidéos resteront en ligne, elles seront sur la chaîne YouTube, elles seront toujours là Isabelle. D'accord? Donc, même si vous arrivez un peu plus tard, allez sur YouTube, revenez au début. Denise, ne t'inquiète pas, prends le pas à pas. D'accord? Prends le pas à pas. Je sais que quand c'est en ligne, des fois, ça peut être un peu plus complexe. Donc, prenez le pas à pas, posez vos questions, montrez-moi vos échantillons. Je suis là, toute l'équipe est là pour vous. D'accord? Allez, je vous souhaite vraiment une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Coucou Amy, coucou Ben, à plus tard!